Bonjour, à la découverte aujourd'hui du billard français. Pulseo s'est rendu rue de la Vernisserie à Châteaubriant, au siège du billard club Castelbriantais, un club fondé en 1952. Il compte une vingtaine de licenciés, des passionnés du billard à trois billes, un jeu d'adresse et de patience qui peine à attirer les plus jeunes. La difficulté qu'on rencontre, c'est d'amener ces jeunes à ce sport. Ils sont plus attirés par le snooker ou le pool. Ça, c'est un jeu de détente et de réflexion, et bon, ils n'ont pas trop de patience, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes anciennes qui viennent se retrouver dans ce moment de détente. Ça fait un plus hein, pour le snooker ou le pool, ça fait un plus. Et l'inverse aussi. Une personne qui joue au pool ou au snooker peut venir au billard français et il a les bases. Hein. Alors l'âge, il n'y a pas d'âge. Hein. Un jeune de 6 ans, 7 ans ou 8 ans peut être très doué, peut être amené à jouer au billard s'il est passionné. Après, tout âge, on prend tout âge. Et la licence adulte est de 115 € et 90 € pour un enfant. Voilà, à peu près. À 10 €, nous avons des billards de compétition qui sont chauffés. C'est la salle qui est chauffée. Les billards sont chauffés. Mets ta main dessus. Tu remarqueras, nous avons des prises de courant. Et ben, ça facilite le déplacement des billes, ça roule. Voilà, si on éteignait ce chauffage, les billes ne rouleraient pas, ne répondraient pas, les bandes ne répondraient pas pareil. Voilà, donc y a un confort, c'est agréable, c'est calme, c'est bien placé. Et alors pour finir, l'ambiance ? L'ambiance, vous voyez par vous-même, hein, l'ambiance, personne ne se dispute, personne ne se chamaille, ce sont des adultes, mais même quand il y a des jeunes, ça se passe très bien, au contraire, même pour les jeunes, nous avons un jeu qui s'appelle la pétanque au billard. Alors la pétanque, c'est la base, c'est la pétanque, mais ça se passe avec une queue de billard et des billes. Et il y a un cochonnet et c'est passionnant. Je pense pas qu'il y ait de qualité requise, il faut être adroit, mais en même temps, il faut avoir une bonne vision sur le billard au niveau des angles, de la force et de... Chaque position n'est pas la même, donc il faut avoir une bonne vision au niveau des angles. Après, il n'y a pas de qualité spéciale, n'importe qui peut se lancer sur le billard. Après, il faut commencer assez tôt, plus on est jeune, plus on apprend, mieux ça rentre. Donc je pense que... Mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. Derrière, ils ont commencé aussi et ça progresse. Il faut aller régulièrement pour... c'est l'entraînement surtout. Bah, y en a qui sont doués pour ça aussi, attention. Hein. Y en a qui jouent au billard, qui ne seront jamais champions non plus, hein, comme à la pétanque, comme au tennis. Mais pour être à ces niveaux-là, ça demande... faut compter 2 heures par jour. Hein. Tous les jours, et puis du travail, travailler ses points, répéter X fois les points. Et si vous souhaitez vous inscrire au billard club de Châteaubriant, sachez que la licence est à 115 € pour les adultes, 90 € pour les enfants. Une licence qui vous donne droit à l'accès aux queues, aux billes et billards, des billards chauffés, s'il vous plaît.